Voilà. Boker Tov, on va étudier maintenant la Gemara Brachot d'Avbet Amoud Aleph. J'ai vieilli. Mais matin, il commence ma bervit Misha Chagonir Nassim Khol Boutrata, Sauvage Moura Rishona, Dibri Rabbi Lezer, Rabbi Momrima, Tratson Rabben Gamil, le maire, Adjé Alain, Amoud Acharma, c'est chez Baou. Ou Baou, Banav, Mibet Amishte, Vamoulo. Amar Lev, Iblo, alors Amoud Acharor, Rabbi Baton, il grotte. Donc ils sont revenus les enfants. Ils disent, on n'a pas fait le Kriyat Shema. Oh. Et pourtant, on était après Khatsot. Oh. Et Chaim, ils ont dit le Kriyat Shema, c'est jusqu'à Khatsot. Oh. Est-ce qu'ils vont pouvoir dire le Kriyat Shema? Leur dire Rabbaniel, mais oui, même d'après Chachamim qui disent c'est Khatsot, ce n'est qu'une barrière des Rabbanan. Mais ils sont d'accord avec moi que d'après la mitzvah, d'après la Torah, c'est jusqu'à Amoud Acharor. C'est bon? Ça dit quelque chose? Et Chachamim, ils n'ont pas uniquement fait une barrière dans le Kriyat Shema. Il vient illustrer Rabban Gamiel par d'autres halachot qui a d'autres barrières de, que c'est normalement toute la nuit. Normalement, c'est toute la nuit. Il y a une barrière, Khatsot. Ah oui, comment ça? Ben, regarde. Le lozu bilvadamru et la kolma sheamru rachamim atratsot. À chaque fois que tu as marqué Khatsot, à chaque fois que tu as marqué Ad Khatsot, c'est toujours pour te dire c'est toute la nuit, mais Khatsot c'est une barrière. Mais Khatsot, ça n'existe pas Khatsot, comme Alaha. Khatsot, c'est pas une Alaha, Khatsot c'est une barrière. Quoi? Mais dis une bêtise, c'est ton rôle. Je croyais que le... Ah. Ben non, c'est notre sujet. La Gemara va dire, ah, donc la Mishnah ne va pas comme Rabbi Elazar ben Nazaria. Si Rabbi Elazar ben Nazaria dit le Korban Pessah, Midoraïta, c'est Khatsot. Ben non, ça va comme lui en vérité. Pourquoi ça va comme lui? Parce que, justement, c'est pas dans la Mishnah, Korban Pessah. On va voir. Donc, en tout cas, Kol, ouais, on sait toujours quand il y a marqué Kol, c'est pas tout. Hein. Quand Rami dit il y a tout, c'est jamais tout. C'est globalement Kol, c'est majoritairement, mais c'est jamais tout. Il y a toujours une exception. Donc, c'est pas de Kol qu'on peut prouver quoi que ce soit. Kol, machamour, rami, matratzot, mitzvatan, ache, ale, amoud, achara. Ekter, halavim, vevarim. Ekter. Il y a Hector et il y a Ekter. C'est quoi Ekter? Pas le cousin germain. C'est quoi hectare? Je t'écoute. Hein? La consommation. Ouais, une pub, c'est une pipe, c'est ktoret, non? Comment on appelle ça? Comment il s'appelle ça? Hein? Mikteret. C'est le mec, il a un petit misbeer dans la bouche, ouais. Et il vient maintenant, il s'est pris pour le Beth Amikdash, ouais. Ça c'est et donc toute chose qu'on vient consommer. Ah, c'est l'actir. L'actir. Parce que la fumée en araméen, c'est katar. Hein, c'est la fumée. Chose qui amène de la fumée. Un peu plus très étymologique, mais ça me dit quelque chose sur de katar. Oh. On dit les ananim, niksharim à ananim. D'accord, niksharim à ananim, quand ils se forment. As katar et nikshar, c'est le même mot. Katar en araméen. Et ketoret, parce qu'elle était. Zgoura, elle était Kshura et Matsma, Ketura. Elle n'a pas été avec un autre homme. C'est-à-dire fumée. Ouais. Ketoret, c'est quelque chose qui fait de la fumée. Donc, on vient enfumer le Chelev et les Varim. Le Chelev, qu'est-ce que tu cherches, Nathan? Pousse le cahier, pousse le cahier. Là, tu n'es pas concentré du tout. Là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La pipe, voilà, c'était pas du tout concentré. Donc, on a donc on est maktir chélev. Pourquoi on est maktir chélev? Dans quelle bête, dans quel corban on est maktir chélev? On parle des corbanotes. Hein. Non. Qu'on est maktir que le chélev. Quand est-ce qu'on est maktir que le chélev? C'est marqué aktara, c'est deux choses, tu vois. Il y a deux choses dans le Mishnah. Il y a marqué. Il y a deux choses dans Mishnah. Il y a marqué Ekter Chalavim
Ve'evarim, Rashi nous dit, regardez Rashi, Chalavim shel kol korbanot, comme il a dit Julien. Chalavim, c'est dans tous les korbanot. Mais Evarim. Voilà. Ouais, vada. C'est korbanola. Normalement, les membres, ils sont donnés au Kohanim, au celui qui offre le korban. Ola, qu'est-ce qu'on donne au Kohanim dans le korbanola? Si. Qu'est-ce qu'on donne au Kohanim dans le korbanola? Je sens, c'est pas des vampires. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Qu'est-ce qu'on donne au Kohanim dans le korbanola? Oh, les mecs, manque de peau, je comprends pas. Vous êtes des durs à cuire. Je comprends pas. La peau. Tous les membres sont conçus, mais rien n'est consommé. Parce que tout ce qu'on donne au Kohen, c'est la peau. D'accord? C'est tout. Au Kohanim, ils reçoivent la peau parce qu'on n'amène pas la peau sur le misbéach. On n'amène pas la peau sur le misbéach. Donc la peau était récupérée. Les Evarim, ouais, eh bien on les consomme. Le Corban, on fait jamais un Corban de la journée. Le Corban, c'est toujours. On fait jamais un Corban de la nuit. Le Corban, c'est toujours la journée. Ouais, si la nuit est tombée, c'est fini. Tu peux apporter le Corban, c'est fini. Il y a aucun. Est-ce qu'il y a un Corban qu'on peut apporter la nuit, qu'on peut être makriv la nuit? Est-ce qu'il y a un Corban qu'on peut apporter la nuit, qu'on peut être makriv, qu'on peut être shrité la nuit? Est-ce qu'il y a un Corban qu'on peut shrité la nuit? C'est compliqué, Yazan, sa réponse, parce que je viens de dire qu'il n'y en a aucun. Donc, je vais juste voir si t'écoutes, c'est tout. Donc, s'il n'y en a aucun, donc la réponse, c'est non. Il n'y a aucun Corban qu'on échaufferait la nuit. D'accord? C'est bon. Bah, alors, pourquoi être filat Arvit? Parce que Arvit, c'est Keneged à Tamid. Ah, c'est pas par rapport à Aktarat, Relavim, Vevarim. En réalité, c'est Aktarat, Relavim, parce que c'est Ola Tamid. Donc, il n'y a pas Evarim là-bas. Donc, le tamid, on apporte un le matin, c'est Shacharit. Un l'après-midi, c'est Mincha. Et Arvit, c'est Keneged Aktarat Chelavim. Le Chelev du Olat Tamid. Parce que tamid, c'est Nola. Parce qu'on ne peut pas faire de Korban. Oh. C'est l'heure, hein? C'est ponctuel. Non, mais Léon, tu n'as rien à faire aujourd'hui. Tout est réglé. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Nebrak? C'est Matsot? Non, Bernard, jusqu'à 11h30 le dimanche. Hein? Comment? Très chargé? Oh là là. Léo, il nous a fait pendant 6 mois, je ne savais pas. Ouais, et après, il a dû trouver d'autres alibis. Il s'en va au milieu du Mishnah, les mecs. Je ne comprends pas comment on peut faire un truc pareil. Voilà.